passé, et soyez béni, Jésus-Christ. Après la mort, ce sera. Ok, on ne pas trop bien, mais quand tu auras le temps, ça va être ça de si tu es vivant, vivant, c'est Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Les temps sont finis, Jésus. Il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Les temps sont finis, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Les temps sont finis, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Les temps sont finis, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera Jésus-Christ revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Jésus-Christ revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Les temps sont finis, Jésus revient, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Les temps sont finis, Jésus revient, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, quoi, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Les temps sont finis, Jésus revient, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Les temps sont finis, Jésus revient, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Alléluia. Les temps sont
toi. Le frère Ben Issi vient de toi. Le frère du Saint-Esprit vient de toi. Jésus-Christ est roi. Amen. Sur la route de Doukoula. Doukoula. Priez, priez. Sur la montagne. Priez. Jésus-Christ est roi. Sur la route de Doukoula. Doukoula. Amen. Priez, priez sur la montagne. Priez. Prends une décision ce soir. Nardou Kinon, combien comme poisson mort hier? Jarmada Dembe, non vous le souvenez là. Beaucoup comme poisson mort hier. Jarmada Dizangala Dembe, non vous le souvenez là. Ce n'est pas que la mort te craigne. C'est Dieu qui t'a gardé. Amen. Il espère que peut-être tu vas changer. Il espère que tu vas laisser l'idolâtrie. Il espère que tu vas changer. Je te prie que ton règne soit établi en ce lieu, en ce carrefour maintenant. Père, que l'homme fort de cette localité soit lié et paralysé maintenant au nom de Jésus. Père, que ta parole sorte avec autorité et puissance et accomplisse ses desseins dans une vie, dans un cœur, dans son magnifique présent. Le éternel et jamais, reprends ta puissance. Reprends ton autorité en ce lieu pour que tout se réfléchisse. Seigneur, que tout l'homme confesse ce soir que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus, maintiens toute pensée captive à cette parole qui va sortir et que plusieurs reconnaissent que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je suis pour vous servir l'évangéliste de vous en échesse. Pour le geste du mouvement international, du groupe d'évaluation internationale, Jésus revient, répandu partout dans le monde entier. Oui, bien-aimé, ce soir, je veux partager un peu de la parole du Seigneur afin d'interpeller toi, jeune homme, toi, femme, toi, homme, toi, jeune fille, toute personne qui sera sur le son de ma voix ce soir. Bien-aimé, écoute, il y a une chose que tu dois être sûr. C'est que le retour du Seigneur est imminent. Et il est très très proche. Mais bien-aimé, avant que la trompette ne sonne, la question que tu vas te poser chaque jour, c'est de savoir, suis-je prêt pour l'avènement? Suis-je prêt pour le retour du Seigneur? Suis-je prêt si la trompette sonne maintenant? Et c'est cette même question que je te pose. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Bien-aimé, nous allons lire deux textes ce soir. Dans Actes chapitre 2, le verset 14 et le verset 40.
verset 14 et verset 40. Je vais inviter l'apôtre Matthieu qui va nous donner les deux versets de Actes chapitre 2, les versets 14 et verset 40. C'est là, parce que nous avons fait ce soir. Alléluia. Verset 14 et verset 40 de Actes chapitre 2. Et après le tout, on a reçu Éloigne-toi du bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais filmer les gens. C'est pour ça que je me tiens là-bas, moi. Alors, Pierre se présenta avec les princes, élevant la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez ceci. Écoutez ceci. Écoutez l'oreille de mes paroles. Hommes de Carrefour le Maire, et vous tous qui séjournez sur Carrefour le Maire, écoutez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Mon frère, éloigne-toi du bas, ça avec ton micro. Va plus loin avec ton micro. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, les concurrents et les exhortés disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Oui, comme moi, ce soir, le Seigneur ma voix te dit à toi qui es sous le son de ma voix, sauve-toi de cette génération perverse. C'est le thème de mon message ce soir. Sauve-toi de cette génération perverse. Oui, bien aimé, quand on parle de la génération perverse aujourd'hui, c'est cette génération qui a régné son Dieu, qui a abandonné son Dieu, qui a abandonné le Créateur, qui s'est détourné de la voix du Seigneur. C'est la génération perverse. Aujourd'hui, quand nous observons dans notre société, voyons la décrépitude, la décadence, la chute, la dépravation qui menace dans notre société aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte, bien aimé, que la génération d'aujourd'hui est une génération perverse parce qu'elle abandonne les voies de Dieu. Elle s'est détournée des voies du Seigneur. Elle a abandonné la parole du Seigneur. Elle a abandonné les commandements de l'Éternel. C'est elle la génération perverse. Et ce que je vais te demander ce soir, c'est de savoir, est-ce que tu fais partie de la génération perverse ou de la génération consciente? Quand la génération consciente est celle-là qui a la crainte de Dieu, est celle-là qui a rencontré Jésus, est celle-là qui appartient à Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout homme, tout être humain qui ne possède pas la puissance de Dieu en lui est un animal qui marche chez vous. Toute personne, tout être humain qui n'a pas l'esprit de Dieu est un animal qui marche au début. C'est la raison pour laquelle on peut voir tout ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Parce que l'homme animal ne peut que faire ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Regardez notre société aujourd'hui. Le banditisme, le vol, l'escroquerie, le détournement. L'homosexualité, la pédophilie, l'inceste, les meurtres, les crimes rituels, les avortements, la prostitution. Oui, voilà les mœurs de la société camerounaise aujourd'hui. Voilà les mœurs de la société à génération perverse aujourd'hui. Mais bien aimé, ce soir, le Seigneur m'envoie t'interpeller. Toi, prostituée, toi, jeune fille, qui livre ton corps à la prostitution, je m'envoie t'interpeller ce soir. Dieu m'envoie t'interpeller ce soir. Le Créateur ne veut pas que tu vives de cette façon. Je ne veux pas que tu vives. Le feu du réveil
Chez mon colo, les âmes ont écouté l'évangile. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Les temps sont finis. Nous vivons les derniers temps. Alors, mon frère, ma soeur, pense à ton salut. Pense à ton salut. Pense à ton âme. Soucie-toi de ton âme. Vérité. À ton âme après ta mort. Amen. Et quand tu auras, et quand tu auras Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Shalom, shalom à tous. Je vous présente Émilie et Ilana. Voilà, les jeunes filles qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est des jeunes filles qui sont dans le milieu catholicisme et qui sont prêtes à rentrer dans la barque de Jésus revient et de connaître le vrai Jésus. Non, merci. Alléluia. Je vous laisse discuter un petit peu, parler. C'est des filles qui sont sur Alès. Et qui sont étudiantes. Et voilà. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 J'accepte Jésus. J'accepte Jésus. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Je veux te suivre Jésus. Je veux te suivre Jésus. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je sème Jésus. Je sème Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis heureuse de rencontrer ces jeunes filles. J'ai flyé, annoncé la bonne nouvelle. Je continuais mon chemin. Elles sont venues toquer mon dos et me dire je connais Jésus. J'ai dit ah bon, tu connais Jésus comment? Et c'est là qu'ils ont raconté leur histoire, qu'ils sont catholiques. Et j'ai dit que les cathos ne pouvaient pas être sauvés, malheureusement, qu'il faut vraiment venir dans la sainte doctrine avec Jésus, le vrai Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu. Alléluia! Alléluia! Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire à Jésus. Allez, shalom, shalom. 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 Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Vous allez toujours arriver à sonner la trompette, toujours, pour les âmes perdues dans ma ville, toujours à Metz. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie au nom de Jésus, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? Il faut vraiment se repentir, les temps sont finis. Ce qui va arriver, ce sera le pire que les temps de Noé. Les temps sont finis. Repentez-vous. L'Antichrist est déjà dehors. Vous avez deux endroits. Vous avez l'enfer et le paradis. Moi, j'ai choisi le paradis pour l'éternité. Tu connais Jésus? Oui. Tiens, c'est pour toi, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Il faut vraiment se repentir. Les temps sont finis. Jésus revient. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur, pour aller voir, pour aller au ciel? Vous l'appelez, vous les musulmans, vous l'appelez Aïssa. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'alpha et l'oméga.
le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Shalom, 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 alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, bien-aimés, nous sommes au Sénégal, à Dakar, et ce lieu s'appelle le rond-point Yézo. C'est par ici que nous allons commencer pour parcourir, alléluia, toute la ville de Dakar. Alléluia. Donc, nous disons shalom à tous les bien-aimés au Bénin, en Allemagne, en Haïti, en France. Nous sommes de tout cœur avec vous. Que la puissance du Seigneur Jésus-Christ monte comme il l'a déclaré, que le feu du réveil monte comme une tempête pour envahir toute la terre. Jésus! Le roi le fait de 31 décembre. Le système pour lui mettre le 31 décembre. Mais est-ce que Dieu l'a ordonné? Est-ce qu'il y a le mot de Sainte Année? Est-ce que Dieu l'a ordonné? Est-ce qu'il y a le mot de Sainte Année? Toi, tu te dis religieux. Yo, me dis le livre du livre. Tu te dis chrétien. Nene yo, chrétien. Tu te dis musulman. Nene yo, musulman. Toi, tu fais 31 décembre. Vous parlez, mettre le 31 décembre. Dieu t'a t'a ordonné cela? Nene yo, le mot de Sainte Année? Dieu t'a t'a commandé cela? Nene yo, le mot de Miguel. Oh, le bien-aimé! Oh, yo, c'est mon nom. Le monde est en fait. Mais au ciel, quand tu tombes à ce moment-là, je peux. Là, le Seigneur, comment est-ce que tu es? Le monde est en fait. Mais au ciel, quand est-ce qu'on a ce man? Je pleure. Là, le monde est venu. Parce que les hommes ne prennent sa parole. Parce que les hommes aiment le péché. Parce que les hommes aiment le mensonge. Oh, repentez-vous. 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 Le temps de la fin existe. Le temps de la fin existe. Repentez-vous de l'impudicité. Repentez-vous du copinage. Repentez-vous de l'impudicité. Repentez-vous de quoi de l'alcool. Repentez-vous de la colère. Alléluia. Amen. Même la colère mène en enfer. Même l'ingrédient mène le plus loin possible. Toi qui es colérique, le meilleur de la tangue. Tu ne veux pas pardonner. Nous nous parler. Tu ne veux pas pardonner. Nous nous parler. Quand tu meurs. Bon matin, tu ne vas pas relâcher. Tu ne vas pas relâcher. Tu ne vas pas relâcher. Avec ça, tu vas voir. Quand Dieu déclare dans sa parole, si tu ne pardonnes pas, si tu ne pardonnes pas, lui aussi, il ne va pas te pardonner. Donc, toi qui es colérique, il y a un département en enfer. Pour les colériques, il y a un département en enfer. Pour les colériques, apprends à pardonner. Apprends à cultiver l'amour. Si tu veux aller en paix, recherche la paix. Recherche la paix autour de toi, dans ta famille, même avec tes ennemis, tu dois les aimer. Quand Dieu déclare, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis. Donc toi qui te fais des ennemis, repens-toi et cherche la paix. Cherche la paix. Cherche la paix. Ne meurs pas dans les querelles. Dans ta famille. Dans ton lieu de travail. Ne meurs pas dans les divisions. Ne meurs pas dans les querelles. Je te le dis ce soir. Si tu meurs dans les querelles. Si tu meurs dans les jalousies. Toi, impudique. Toi qui pardonne pas de nuit. Toi qui as une femme. Et qui couche de gauche à droite. Le Seigneur te dit de repentir. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Ne meurs pas dans tes péchés. Ne meurs pas dans ce péché. Jésus-Christ t'aime. Donc vous savez, il est venu dans le monde. Pour délivrer les hommes. Pour délivrer les hommes. Car auparavant, l'homme n'a pas péché. L'homme n'a pas connu le péché. Mais lorsqu'il a été séduit par le serpent ancien, c'est là où l'iniquité est venue. Et depuis ce moment,
L'homme ne peut pas vivre selon la parole de Dieu. Et Dieu dans son amour, c'est que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est pour cela qu'il a décidé de venir sur la terre. Il a pris le corps de chair. Il a décidé de venir sauver les hommes. Par l'œuvre de la croix. Par l'expiation du péché. Parce que la parole de Dieu déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu verser son sang qui est pur. Son sang qui n'est pas le sang du bouc et du taureau. Mais le sang qui peut impurer nos péchés. C'est pour cela qu'il a décidé de marcher comme les hommes. Pour les femmes, vous dites, je ne veux pas tomber enceinte, je vais à l'hôpital, on va me mettre des pilules, des implants, pour dire, je ne veux pas tomber enceinte, je ne veux pas tomber enceinte, je vous dis la vérité, tout ce qui est dans votre corps, qui empêche que tu tombes enceinte, je vous dis la vérité, devant Dieu, tu as une prière. Si tu ne prends pas de la cigarette, c'est tout comme si tu manques quelque chose. C'est tout comme si tu manques quelque chose. Et tu es obligé de prendre la cigarette. Tu es obligé de prendre la cigarette. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Tu ne fumeras plus jamais. Tu ne fumeras plus jamais. La parole de Dieu dit. J'ai envoyé ma parole pour les sauver. Cette parole descend maintenant dans ton cœur. Tu ne seras plus esclave. C'est fini. Le Seigneur me cherche de te dire. Le Seigneur me cherche de te dire. Ton esclavage est terminé. Tu ne seras plus un rang. Tu ne seras plus un rat. Ton esclavage est terminé. Toi, jeune fille, que le diable a recruté. Le diable t'a recruté pour gonfler son royaume. Pour gonfler son royaume. Pour peupler son royaume. Tu es esclave de Satan. Tu es esclave de Satan. Le diable t'envoie pour séduire les hommes. Et tu es obligé de porter les tenues ceci. Ton esclavage est terminé. Ton esclavage est terminé. Le diable te pousse à porter des vêtements serrés. Et tu n'arrives pas à t'abaisser. Quel esclavage! Quel esclavage! Tu n'arrives même pas à t'abaisser! Tu es esclave de Satan! Aujourd'hui, le Seigneur te libère. Ce soir, le Seigneur te libère. Tu es même obligé de mettre un seul dehors pour pouvoir séduire les hommes. Je te le dis en vérité. Ton esclavage est terminé. Le Seigneur te libère ce soir. Sors. Si Jésus-Christ a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti de la tombe. Aujourd'hui, ce soir, Jésus te dit à travers ma bouche, ma fille sort de la prostitution, mon fils sort du vent, sort du cambriolage, sort, toi qui es esclave de Satan. Toi qui es esclave de Satan. Toi père de famille. Toi père de famille. Tu n'as pas envie de le faire. Mais tu es obligé de le faire. Parce que tu es opprimé.
Tu es opprimé, Satan te dit esclave. Je te dis. Et même souvent tu as honte. Souvent tu as honte. Parce que tes enfants te voient. Sortir avec d'autres femmes en ville. Ton esclavage est terminé. Ton esclavage est terminé. Ton esclavage est terminé. Tu ne seras plus esclave de Satan. Tu ne seras plus esclave de Satan. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Si tu écoutes la voix du Seigneur ce soir, n'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton père. Ou ton père, Seigneur Jésus. Jésus est celui dont tu as besoin. Jésus est celui dont tu as besoin. Toi qui te fais, tu vas prendre de l'alcool. Pour oublier tes soucis. Après avoir pris de l'alcool, les soucis reviennent encore. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à travers notre bouche, sonne la dernière trompette. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes aujourd'hui la parole de Dieu, n'anticipe pas ton cœur. Le Seigneur vient ce soir pour te sauver. Toi qui es assis dans le péché. Toi qui es fatigué du péché. Et qui te demande. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je serai encore dans ce péché. Toi tu t'aimes. Toi père de famille. Qui abandonne ta femme à la maison? Qui abandonne tes enfants? Et qui va voir une femme en dehors? Mon frère, ma soeur, je te le dis en toute sincérité. Le Seigneur te parle ce soir à travers notre bouche et te dit que ta servitude est terminée. Ta servitude est terminée. Ton esclavage est terminé. Toi qui te dis, jusqu'à quand? Quand est-ce que je vais abandonner la prostitution? Le Seigneur me charge de te dire, ton esclavage est terminé. Ton esclavage est terminé. Le Seigneur vient ce soir pour te sauver. C'est fini. Toi qui vas dans la chambre de passage. Mon frère, ma soeur, ton esclavage est terminé. Tu n'as pas envie d'aller. Mais il sent qu'il y a une main visible derrière. Si tu pousses chaque fois à aller dans la chambre de passage, ton esclavage est terminé. C'est le diable qui t'a opprimé. C'est le diable qui te pousse à aller dans la chambre de passage. Mais aujourd'hui, le Seigneur me charge de te dire, ton esclavage est terminé. Toi qui es esclave de l'alcool. Toi qui es esclave de l'alcool. Tu n'as pas envie de prendre de l'alcool. Mais il sent qu'il y a une force qui te pousse à prendre de l'alcool. Et après avoir pris de l'alcool, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Parce qu'arrivé à la maison, tu bats ta femme. Tu bats tes enfants. Ton esclavage est terminé ce soir. Ton esclavage est terminé. Jésus vient ce soir pour te sauver. Il a versé son sang pour te sauver. Je te le dis en vérité. N'anticipe pas ton cœur. Ouvre ton cœur, Seigneur. Jésus te parle ce soir. Toi qui es voleur, tu ne t'hésites pas à voler. Mais chaque fois, tu es obligé de voler. Mon frère, ma soeur, je te le dis en toute sincérité. Ton esclavage est terminé. Ton esclavage est terminé. Jésus m'a oué. Et m'envoie te libérer. C'est pourquoi j'envoie cette parole dans ton cœur. J'envoie cette parole dans ton cœur. J'envoie cette parole dans ton cœur. La parole qui est une épée. L'épée descend dans ton cœur. Et te libère. Et te libère. Et te libère. Toi qui es esclave de la prostitution aujourd'hui. Toi, jeune fille, qui est esclave de la prostitution, toi qui es esclave
Chaque fois, tu es obligé de sortir avec les hommes. Et tout ça, même avec les maris d'autrui. Ton esclavage est terminé. Lorsque tu vas dans les champs de passage, tu n'as pas envie de coucher avec les hommes. Mais tu es obligé de le faire. Parce qu'il y a une main invisible qui te pousse à le faire. Aujourd'hui, l'épée de l'Éternel descend. Et quoi, tu vis, y est. Et coupe maintenant cette main visible. L'épée descend maintenant, coupe maintenant cette main visible. Cette main invisible qui te tient esclave. Jésus te libère de cette main. Jésus te libère. Jésus te libère. Toi qui es esclave. Toi qui es esclave de la cigarette. Nous, à nous, nous. Jésus te libère. Tu n'as pas besoin de l'alcool. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Je te le dis en toute sincérité. Je te le dis en toute sincérité. C'est de Jésus que tu as besoin. Je te le dis. Il y a une femme qui m'écoute ce soir. Il y a une femme qui m'écoute ce soir. Je sais que tu m'écoutes. Je sais. Je sais. Tu as besoin de la protection. Et tu vas de pétition en pétition. Tu as dépensé tout ton argent. Et tu es fatigué. Tu te dis je suis fatigué. Qu'est-ce que je peux faire? Ton esclavage est terminé. Ton esclavage est terminé. Jésus est le protecteur. Accepte Jésus ce soir. Dis Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Je suis fatigué. De passer de pétition en pétition. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et le Seigneur te tend la main. Saisis la main de Jésus. Saisis la main de Jésus. Saisis la main de Jésus. Jésus te tend la main. Jésus dans l'adresse de. Ma soeur, je te dis, Jésus te tend la main. Jésus dans l'adresse de. Si tu veux la protection. Alors la tuer, Maria. La protection en Jésus. Alors tu as le Jésus, mais. La protection n'est pas chez les féticheurs. Tu as le bouton dans les gants. Les féticheurs vont bouffer ton argent. Mais tu n'auras pas la protection. Regarde. Depuis que tu vas de féticheur en féticheur. Tu es tout content d'être toujours une proie pour les sorciers. À quoi de là, je suis pas cette là. Tu es toujours une proie pour les sorciers. Tu n'es jamais sauvé. Tu n'es jamais sauvé. Celui qui sauve, c'est Jésus. Il te dit ce soir, ma fille, donne-moi ton cœur. Prie à Jésus. Et dis Seigneur, voici mon cœur. Je te donne mon cœur. Jésus, sauve-moi. Et je te dis, ton esclavage est terminé. Ta servitude est terminée. Tu ne seras plus esclave du diable. Le diable t'a recruté. Pour peupler son royaume. Je te le dis à toute sincérité. Chante de ses traits. Chante de ses traits. Le trait du diable qui conduit les gens en enfer. Chante de ses traits. Le Seigneur stoppe maintenant ce trait. Il dit à Satan, Satan, arrête ce trait. Parce que mon enfant est dedans. Ma fille est dedans. Mon fils est dedans. Et il te dit, descends mon enfant. Tu n'iras pas en enfer, mon frère. Tu n'iras pas en enfer, ma soeur. Parce que Jésus te tient la main ce soir. Tu ne seras plus esclave. Tu ne seras plus esclave. Tu es esclave, c'est pourquoi. Tu veux, tu ne veux pas, tu voles. Tu veux, tu ne veux pas, tu mens. Tu veux, tu ne veux pas, tu commets l'adultère. Tu es esclave, jeune garçon. Jeune garçon, tu es esclave. Toi qui m'écoutes ce soir, tu es esclave de la masturbation. Tu es esclave de la masturbation. Tu veux, tu ne veux pas, tu te masturbes. Et après t'avoir masturbé, tu te dis, oh, no. Qu'est-ce
qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Et tu dis, je suis fatigué. Alors, tu commis. Et quelques temps après, tu ne reprends encore. Tu es esclave. Tu es esclave de Satan. Tu es esclave de Satan. Mais le Seigneur m'envoie te dire ce soir. Mon fils, ton esclavage est terminé. Ton esclavage est terminé. Jésus me charge de te dire. Tu ne vas plus jamais te masturber. Pour cela, repends-toi sincèrement. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il n'y a pas de satisfaction dans la masturbation. Mais il y a de la satisfaction dans le Seigneur Jésus. La seule personne qui peut te combler, c'est Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. C'est pourquoi il est mort sur la croix pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. Afin que tu sois sauvé. Mon frère, ma soeur. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Il y a une dame que Jésus-Christ a rencontrée. Et Jésus l'a dit. Donne-moi de l'eau à boire. La dame a dit. Qui a-t-il en toi et moi? Moi qui suis une Samaritaine. Toi qui es juif. Je te le dis en toute sincérité. Toi qui te dis. Je suis sale. Je suis impur. Pour m'approcher de Jésus. Parce qu'il est le Saint des Saints. Laisse-moi te dire. Jésus-Christ a dit. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est pour cela, ce sont les pécheurs qui ont besoin de Jésus. Jésus sait que tu es sale. Jésus sait que tu es pur. Pourtant, il te dit, je t'aime mon enfant. Je t'aime mon enfant. C'est pour toi que je suis mort sur la croix. Je me suis crucifié pour toi. J'ai souffert pour toi. Mon enfant, je t'aime. Viens à la maison. Si seulement tu peux crier. Et dis, Seigneur, me voici. Je viens à toi. Ton esclavage est terminé. Ta servitude est terminée. Je te le dis en toute sincérité. La jeune dame. Elle parlait encore avec Jésus. Quand Jésus l'a dit, va, appelle-moi ton mari. Et la dame dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus a dit, oui, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui chez qui tu es maintenant n'a même pas de mari. Ma soeur, je te le dis en toute sincérité. Toi qui passes dans mon homme. Et tu as déjà parcouru 2 hommes dans ta vie. Tu as déjà parcouru 3 hommes dans ta vie. Tu as déjà parcouru 7 hommes dans ta vie. Lorsque tu vas chez un homme, tu lui fais un enfant et tu quittes. Tu vas chez un autre, tu lui fais un enfant et tu quittes. Le Seigneur te dit, cette main invisible qui te pousse à quitter les hommes. Allez dans mon homme. Cette main invisible est coupée. Et ton esclavage est terminé. Ton esclavage est terminé. Jésus a dit à cette dame. Celui chez qui tu es maintenant. N'aime même pas ton mari. Oui, je te le dis. Toi qui avais ton mari. Ton propre mari avant. Et à cause d'un petit problème. Tu es parti de chez ton mari. Et aujourd'hui maintenant ce sont les mari d'autrui que tu prends. Jésus te dit, ton esclavage est terminé. Accepte Jésus. Il te donnera ton propre mari. Jésus te donnera ton propre mari. Tu auras ton propre mari. Et tu cesseras d'arracher le mari d'autrui. Regarde, est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que tu n'es pas fatigué d'arracher le mari d'autrui? Regarde. Toi qui avais ton propre mari et qui restais dans la chambre avec lui, aujourd'hui maintenant tu vas de chambre de passage en chambre de passage. De chambre de passage en chambre de passage. Tu es esclave de Satan parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu es esclave de Satan parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu ne seras plus heureux.
toi. Ma soeur et mes bouboua. Donne ta vie à Jésus. C'est quoi l'entour de Jésus. Et tu ne vas plus te perdre. Jésus me chante et te dit. Ton esclave est terminé ce soir. Donne ta vie à Jésus. C'est quoi l'entour de Jésus. Je te le dis à toute sincérité. Je te le dis à toute sincérité. Ce qui te manque, c'est Jésus. Si de chaque fois tu dis. Cet homme n'est pas bon. Je vais le laisser. Et aller prendre un autre. Et chaque fois tu chantes les hommes. Je te le dis à toute sincérité. Tu as besoin de Jésus. Repends-toi sincèrement. Parce que tu es perdu. Tu es égaré. Tu es loin de Jésus. Et tu es dans les ténèbres. Celui qui est loin de Jésus n'est pas dans la lumière. Il est dans les ténèbres. Et quand tu dans les ténèbres, tu es esclave de Satan. Tu es esclave de Satan. Satan pourra t'opprimer à tout moment. Je te le dis en toute sincérité. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Ne dis pas, je suis déjà chrétien. Je ne te parle pas du christianisme, mais je te parle de Jésus en toi. Si Jésus-Christ est en toi véritablement, tu ne peux plus aller dans les champs de passage. Tu ne peux plus aller dans la Bible. Pour prendre de l'alcool. Tu ne peux plus prendre de la cigarette. Les chichas. Les drogues. Ton esclave est terminé ce soir. Toi qui m'écoutes à ce moment, Jésus me chante et te dit, ton esclave est terminé. Tu es esclave de Satan. C'est pourquoi tu portes les boucles d'oreilles. Va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est interdite. Les boucles d'oreilles. Jésus a refusé. Tu as refusé. Qu'on ne portera pas les boucles d'oreilles. Qu'on ne portera pas les chaînes. Aujourd'hui, tu le portes. Parce que tu es esclave de Satan. Allez, lire la parole de Dieu. Ce sont les esclaves. Les esclaves qui portent les boucles d'oreilles. Et si tu les portes aujourd'hui, c'est parce que tu es esclave. Tu es esclave de Satan. Enlève les boucles d'oreilles. Enlève les boucles d'oreilles. Enlève les chaînes. Enlève les chaînes. Regarde comment tu tiens tellement aux chaînes. Les boucles d'oreilles. Quand tu le portes, ta démarche change. Ta démarche change. Tu es esclave de Satan. Mais ton esclavage est terminé ce soir. Ton esclavage est terminé ce soir. Ton esclavage est terminé. Tu es esclave de Satan. L'esprit de sirène t'a menti. Elle va te rendre belle. Et elle t'a donné des commandes à passer. Pour changer ton teint. C'est pour cela que tu t'es dépigmenté. Regarde comment tu es devenu. Toi, belle fille de Jésus. Belle fille de Jésus. Regarde comment tu es devenu. À travers la pommade. À travers la pommade. Tu as désormais plusieurs temps. Tu as plusieurs temps. Et tu te dis, je suis belle. C'est pourquoi les hommes courent derrière moi. Alors que ton âme est en tourment. Ton âme est en tourment. Ton âme souffre. Parce que tu vas de chambre de passage en chambre de passage. Mais je te dis ce soir, ton esclave est terminé. Ton esclave est terminé. Jésus vient ce soir pour te libérer. Jésus vient ce soir pour te libérer. Va sur tes genoux. Là où tu es. Et dis Seigneur. Seigneur Jésus. Libère-moi. Libère-moi. Jésus vient pour te libérer. Et ton esclave est terminé. Ton esclave est terminé. Il y a trois brigands. Qui sont crucifiés sur la croix de Jésus. Celui qui est à droite, il a dit,
Oui, nous souffrons parce que nous avons péché. Nous souffrons parce que nous avons péché. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus l'a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous irons dans le paradis. Regarde, si Jésus a sauvé ce brigand, Jésus te sauve ce soir. Toi, brigand, toi, Caïman, Jésus te sauve ce soir. Jésus te sauve. L'argent que tu vends à travers la cybercriminalité, tu peux mourir un jour et tout abandonner. Tu peux mourir un jour, tu peux mourir un jour et tout abandonner. Le diable te trompe et te dit pour avoir de l'argent à tout prix, mais il ne t'a jamais dit qu'en fait de conduire en enfer. Je te le dis à tout ça. Le Seigneur vient ce soir pour te sauver. Le Seigneur vient ce soir pour te sauver. Jésus te libère. Jésus te libère. Regarde ton corps bouge. Je sais que ton corps bouge. Tu ne peux pas refuser. Ton corps bouge. Tu trembles là où tu es. L'Esprit de Dieu te saisit et te libère. Alors repentance. 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 Repends-toi sincèrement. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Je te le dis en vérité. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Je te le dis. Tu connais ta date de naissance. Mais tu ne connais pas ta date de décès. Tu peux mourir ce soir. Mais si tu mourras ce soir, où ira ton âme? Si tu mourras ce soir, où ira ton âme? Tu es prostitué. Oui, maintenant. Après la mort, Jésus ne peut plus te sauver. Si tu n'as pas donné ta vie à lui, après ta mort, c'est fini. Tu ne peux jamais te sauver. Après ta mort, c'est fini, bien aimé. Écoute très bien, après ta mort. Après ce passage de la mort, bien aimé, tu ne peux jamais te sauver si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais confessé Jésus dans la vérité, si tu n'as pas marché selon le commandement de Jésus, selon le commandement de Dieu, selon le vrai médiateur, selon le vrai médiateur, celui qui nous a réconcilié avec le Père. Si tu n'as pas marché selon le commandement de Jésus, bien aimé, tu ne peux jamais être sauvé. Bien aimé, tu ne peux jamais être sauvé. Sur cette terre, il n'y a que deux chemins. Il n'y a que deux chemins, bien aimé. Vous sortiez à partir de Jésus. Vous sortiez à partir de Jésus. Vous sortiez à partir de Satan. Il y a personne qui peut dire que je suis neutre. Il n'y a pas une personne neutre. Nous sommes que tu appartiens à Jésus. Et tu l'entends en esprit en vérité. Nous sommes que tu appartiens à Jésus. Et tu l'entends en esprit en vérité. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Dans le cas contraire, tu es toujours dans les mains de l'ennemi. Say it.
Jésus-Christ.